Bonjour Monsieur Toukoulou. Où sommes-nous? Nous sommes à l'ensemble du musée de peinture de Grenoble. Oui. Où se trouve une exposition du long du visage. Oui. Où j'expose une pièce qui est celle-ci, une guillotine. Oui. Une guillotine qui porte le nom de au grand nom de l'humanité reconnaissante. D'accord. Et quelle est votre démarche artistique sur cette œuvre-là précisément, cette œuvre d'art-là? Sur cette œuvre-là, la démarche artistique est celle. Elle est à la fois artistique et sociale, et c'est celle d'invectiver le spectateur. D'accord. De le capturer au travers d'un élément historique que l'on partage en fait. Et d'accord. Et donc là, on est sur du volume. Hein. C'est vraiment une pièce. On est vraiment sur du volume. Une pièce qui est en bois. Oui. Avec une lame en biseau qui est elle-même en bois également avec un alliage en fonte. D'accord. Et vous avez mis combien de temps pour réaliser cette œuvre d'art? J'ai réalisé cette œuvre d'art en l'espace de 3 mois. Ce qui m'a pris le plus de temps en réalité, c'est de donner l'impression de l'usure aux gravures qui se trouvent. Oui, qui sont. Ok. Et du coup, ayant voulu construire ça, en fait, ayant construit ça dans une urgence, j'ai érigé la structure en l'espace d'un mois à peu près. D'accord. Et vous êtes aussi un artiste multiple, donc vous avez une autre facette. Tout à fait. Là, il s'agit de volume. Oui. Et dans l'autre temps, je fais de la peinture. Je me plais à penser en fait deux rythmes différents, oui. À savoir un rythme plus long, celui de la peinture, et un rythme plus rapide, à savoir celui du volume. C'est le moment où en fait je fais mon œuvre fait irruption dans l'espace et fait en fait ce que je disais tout à l'heure, invective le spectateur, le capture, l'oblige à faire. Okay. D'où je pense aussi la raison de la disposition de cette guillotine qui se trouve à une entrée. On ne peut pas rentrer ni sortir sans passer devant. On ne peut rester indifférent face. Et du coup, une fois qu'on se trouve devant la guillotine, on se met à réfléchir. Oui. Du coup, effectivement, on peut d'abord être choqué. Oui, effectivement. On peut effectivement être choqué, est-ce une œuvre, n'est-ce pas une œuvre, mais une fois qu'on passe ces questionnements un peu frivoles, pour le coup, on commence à se demander, mais pourquoi est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce qu'elle dit? Et du coup, c'est le moment, en fait, où le spectateur s'approprie mon œuvre. Très bien. Vous êtes à l'ESAD, à Grenoble. En quatrième année, à l'école d'art et de design de Grenoble. D'accord. Donc, il vous reste encore un an. Exactement. D'accord. Et ensuite, quel est votre projet? Quel est votre... l'ESAD. Alors, mon projet. En premier lieu, je compte déposer un mémoire. D'accord. Je compte déposer un mémoire qui, lui, va accompagner à l'évolution de ma pratique artistique. Justement, en quittant une certaine académie, comme... pour pouvoir me rapprocher du spectateur, savoir comment justement toucher tout le monde. Une fois que ça se sera fait, je continuerai à chercher des expositions, à savoir, je ne sais pas encore si jamais je veux bien exposer ma peinture, ou plutôt je sais que je veux exposer ma peinture, je n'ai pas encore choisi lesquelles. Je sais quel volume je veux exposer. Du coup, aux sorties de l'école, les premières choses que je vais produire seront des volumes de l'ordre de cette guillotine. D'accord. Qui se joueront encore une fois de l'imaginaire commun. Dans des grandes dimensions. Dans des grandes dimensions. Donc, c'est-à-dire dans des foires, non, dans des foires ou des salons où il faudra beaucoup de place, quoi. International ou d'envergure internationale. Exact. Et quelle est votre prochaine exposition? Alors, j'ai une exposition en projet. Oui. Il faut voir si jamais celle-ci est prise. J'aimerais exposer une pièce en bois également, d'une envergure d'environ 3 mètres de haut, suspendue sur un escalier de 2, du coup 5 mètres de haut. Oui. Ce serait une œuvre en bois, dont je ne vais pas dire ce que c'est, d'accord. Une petite surprise bien sûr, mais qui devrait se trouver aux chutes du bois de Chaux. D'accord. C'est l'endroit où j'aimerais bien exposer, sous cette chute d'eau. D'accord. Ben, Monsieur Toukoulou, je vous remercie infiniment. C'est moi. Au revoir.